Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Donc c'est parti pour la partie numéro 2. Donc maintenant je suis tout simplement en train de vérifier qu'il y avait une carte. Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est super génial de pas savoir. Donc lui est en train de parler, en train de m'expliquer qui est... Bah c'est plutôt les gardes qui parlent. Donc tout simplement je suis sur ce poste là en repéré comme vous avez pu voir dans le point rouge. Et je vais essayer tout simplement de pouvoir m'orienter vers d'autres zones. Mais comme j'expliquais, je savais pas l'existence de la carte hein. Alors là franchement j'étais... Non, je me suis dit c'est pas possible, comment on peut se faire rouler autant? Donc ça c'est la zone d'atterrissage, donc c'est ici que je pourrais extraire tout simplement les otages. Donc là je prends une arme classique hein. Donc espérons que je vais pas encore tomber sur des individus assez méchants, parce que franchement j'ai pas de bol du tout du tout. Ouais, donc l'objectif où faut que je me présente, c'est ici. Merci pour le renseignement. Donc sans la carte, vous êtes carrément perturbé. Hein. Mais après, croyez-moi, le jeu en lui-même, il serait très, très rapide à terminer. Hein. Vous allez même être déçu, vous allez dire, c'est ça, hein. Franchement, 30 euros pour ça, vous allez être déçu. Hein. Je vous le dis d'avance. Hein. Donc après, il y en a qui s'attendent, de façon à avoir un prologue ou un épilogue. Mais c'est assez court quand même. Hein. J'en dis pas plus, on fera la conclusion juste après. Donc là, je suis tout simplement en train de me faire repérer tous les côtés. Attention à tous les petits malins qui se cachent. Parfait. En tout cas, voilà le campement. Vous avez vu quand même comment c'est tordu. Moi, je pensais que c'était carrément dans la base militaire. Bah, finalement, c'était pas du tout le cas. C'était tout simplement l'ancien campement. Mais comment tu peux savoir si tu fais pas forcément Star ou Select hein? Donc après, beaucoup vont me dire, c'est moi la quiche. Hein. Bah, je l'avoue que c'est quand même un peu de ma faute. Mais c'est quand même pas évident. Il n'y a pas un petit endroit ou un petit repère ou une petite flèche pour te donner un petit peu la direction. Ça aurait pu être cool pour moi tourner en rond. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage. Mais c'est pas trop grave, hein. Donc maintenant j'ai su un petit peu l'existence de la carte, on va essayer de se diriger vers l'objectif principal. Chico. Chico. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! Come on, man. Let me out of here, please. Get off me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Come on, right over here. Hey, hey, you gotta let me out. You let me out, too. Can't stay here. Get off me! Get off! Chico, calm down. Calm down. Don't fight it. I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Not gonna happen. You'll have to carry him out then. Okay, boss, change of plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Paz's whereabouts out of him once he's calmed down. Donc là, tout simplement, le gamin, je vais essayer de le prendre sous mon épaule. C'est parti, viens, mon petit Jingo. Voilà. Pardonnez-moi, je m'étouffe en plus parce que c'est ce genre de conneries. Donc là, il y a des otages. Donc après, vous avez la possibilité soit de les libérer, soit de les laisser. Donc après, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va changer ou pas. Donc derrière les barreaux, je pense pas que c'est une bonne solution de tirer. Je pense pas que j'abattrai un ennemi ou quoi que ce soit. Si, c'est bon, maintenant,
T'as pris ta fessée. Ça y est, j'ai déclenché encore la seconde alarme. Ah non, mais je suis doué pour ce genre de conneries. L'infiltration chez moi, ça fait vraiment de... Ça pique. En tout cas, c'est des doubles cellules, comme vous pouvez voir, en fait. Il y a deux issues, c'est soit par là, soit par là. Ici, il n'y a quasiment rien à débloquer. J'observe, hein, je regarde s'il n'y a pas des trucs qu'il faut libérer, etc., etc. Donc là, je suis en train d'ouvrir cette fameuse cage. Bon, il y a un truc qui me déçoit, c'est que les mecs, ils sortent pas. Ça me rappelle un petit peu, étrangement, je dirais pas quoi, mais un petit peu Guantanamo, en fait. Hein. C'est un petit peu le même concept, le même délire, en fait. T'es dans une base où les mecs sont dans des situations similaires. Donc là, je suis en train de crocheter des cellules vides. Regardez la crampe. Ça, c'est drôle, ça. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de conneries. Ah, ça y est, je suis repéré quelque part. Oh, tous les gardes qu'il y a, c'est pas vrai. Donc là, je tire derrière le grillage. Mais en tout cas, je ne sais pas si je peux l'atteindre. Si, je lui fais quand même quelques dégâts, mais c'est pas non plus quelque chose de très extraordinaire. Oh, le baril, ça leur a rien fait du tout. Bon, c'est bon, tu vas pas recommencer à prendre la fuite. Hein. Tu m'as assez fait de bonne nuit comme ça, tu m'as assez créé de nuit. Non, t'es pas encore mort. Mais non. T'es fou. Maintenant ici, il y a quoi? Il y a un petit peu des otages, non, il y a quasiment rien. Bah malheureusement, en fait, il y avait que dalle. Aïe, aïe, aïe. Ah, il y a un mec en train de gémir, donc je pense qu'il veut sortir de la cage. Ouais, lui, ouais. J'ai carrément failli l'oublier. Bon, sort. Bon, en fait, il n'y a personne qui sort. C'est dommage, hein, quand même. Hein. Ça aurait été cool que tu leur donnes des armes et qu'ils te suivent, qu'ils t'accompagnent dans ta mission, quoi. Bon, après, s'ils se font exécuter, c'est tout simplement parce qu'ils sont soit pas préparés, ou soit c'est pas des soldats, ça doit être des civils, ou tout simplement, ils sont fatigués, affamés, etc. Il y a pas mal de conditions réunies qui font que c'est pas extraordinaire. En tout cas, je vais pas vous mentir, dès que j'ai l'enfant en fait sous mes épaules, je n'ai quasiment pas la sensation d'avoir un poids conséquent. Pas du tout même, c'est que je cavale la même vitesse que comme si j'étais sans rien du tout. C'est assez impressionnant quand même. Hein. Ils auraient dû quand même rajouter un petit peu une petite lourdeur, ça aurait été plus réel. Après, comme j'ai expliqué à Slane que c'est plus de l'infiltration et des missions assez sympas. En tout cas, l'infiltration, oubliez tout de suite, hein, c'est mal barré. Donc là, je voulais plonger, hein, je taquine. Hein. Je me suis quand même posé la question par où tu passes. Bon, très rapidement, vous voyez, hein, je ne pose pas non plus 2-3 heures comme l'objectif. Là, par contre, c'est bien. Il y a un carré qui m'indique qu'il faut aller là-bas. Ça, j'aime bien. C'est dommage qu'il n'y avait pas ça d'entrée de jeu, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Ça aurait été vraiment bien d'avoir ce genre de petit carré pour t'orienter dans quel endroit tu dois aller. Au bout d'un moment, au bout d'un certain moment de... Bah, vu que tu tournes un petit peu, l'ordinateur aurait dû se dire « Ah mais attends, le mec il tourne un bon petit moment. » Je pensais que le gamin fallait le mettre dans la grotte ici. Donc après, c'est logique, hein, tu le mets à l'abri des gardes, etc. Mais finalement, en fait, tout ce qu'il fallait faire, c'est le poser, le petit bébé. Allez, vas-y, pose-le, Snake. Snake, pose-le. Pose-le. Nickel. Oh là là, t'as failli le faire tomber dans la flotte. T'es fou. Chico, where is Paz? She's dead. When was this recorded? She's dead. Okay, now use your iDroid to call the chopper for pickup. It's updated. Donc voilà, la carte elle est là, nous on est là, et je dois me rendre quelque part dans cette carte là. Ça c'est marrant non? C'est où que tu dois te positionner? Là t'as plus du tout d'indice, tu te débrouilles tout seul. Ça fait flipper. Donc je vais essayer de me rendre dans la zone de largage ici, plutôt celle-là. Voilà, je pense que ça va être la plus adaptée, celle-là elle est un peu trop isolée, donc j'ai pas envie de faire le con. En plus je suis bien repéré, mais vraiment j'ai pas de bol là, c'est que je me suis franchement... Bah fait beaucoup d'amis là en ce moment dans la base, donc on va éviter de passer par des endroits où je suis sûr de me faire dégommer. Donc là le mec il veut que j'écoute la cassette pour trouver Paz là. Tu vois pas que je suis en train de courir un peu pour je sais pas trop quoi. En tout cas hein, je vous ai dit hein, ça va être quand même assez... vous allez voir ça va être super court hein.
Sauf que c'est moi qui a tourné comme un idiot dans le premier let's play, mais plutôt dans le premier épisode, parce que je peux pas appeler ça un let's play, mais plutôt le jeu intégral il sortira plus tard, mais ce sera plus une mission. Donc là on peut pas sauter. C'est dommage que par contre tu peux pas escalader les obstacles, t'es obligé de faire le tour. C'est quand même assez tordu dans un sens que si tu as des gardes devant l'entrée, bah t'as pas le choix que de passer par devant. Tu n'as pas le choix de passer devant l'entrée. En tout cas, ici, je suis presque arrivé à ma zone d'atterrissage. Espérons que je ne vais pas tomber dans un sale pétrin. Donc je vais déposer le gamin ici. Voilà, il est déposé. Et maintenant je fais quoi? Tu te poses la question. Donc heureusement qu'il y a des petits boutons avec un point d'exclamation pour te dire attention, il y a quelque chose d'intéressant sur ce côté-là. Donc j'observe, hein, peut-être qu'il y a d'autres issues, ou peut-être qu'il y a encore... En fait, j'ai trop l'habitude des jeux en fait où tu commences, par exemple, dans un endroit et après ça va, je sais pas, un peu plus loin dans la progression, que là en fait tout est concentré dans la base. Donc après c'est à vous de vous débrouiller. Donc avec le gamin je m'amuse un petit peu, je fais un peu de marathon avec. Je fais un peu d'exercice plutôt. Donc là j'observe, donc là c'est le menu Star, donc il n'y a rien à faire. Hein. On est bien d'accord, donc je vais pas commencer à prendre le manuel du jeu. J'aurais dû commencer déjà par ça. Mais je pensais pas être bloqué. Donc là il y a quelques trucs qui sont cool. Donc déjà appeler un hélicoptère, ça m'intéresse. Donc je vais faire quoi? Je vais aller sur la zone de largage. Lui, je sais pas ce qu'il veut que j'écoute cette fameuse cassette, et je sais pas. À première vue, il me lâche pas avec ça. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est voir si je suis vraiment bien positionné dans un premier temps, dans la zone d'atterrissage. Elle est pile poil ici. Donc je vais déposer le gamin. Non, plutôt, je vais appeler l'hélicoptère maintenant. Voilà. Non, là, je choisis ma destination, donc moi, je suis juste ici. Et c'est bon, on l'appelle. J'espère qu'il va venir, qu'il va pas me mettre un plan. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tout simplement appeler l'hélicoptère et extraire, de toute façon, les prisonniers, etc. Donc là, il est en train de m'expliquer un petit peu les trucs qu'il y a, etc. Par-ci, par-là, ses conditions d'étention. Là, il y a une cassette, donc on va l'écouter, parce qu'il veut que j'écoute une cassette à tout prix. Donc déjà, 2 minutes 29, tu flippes, tu te dis, mais c'est des ouf. Et là, tu passes à 2 minutes, non, à 1:38. Je vais plutôt mettre celle-là dans un premier temps. Peut-être que ça va me donner un indice ou pas, je sais pas. En tout cas, vous allez rien comprendre, je vous le dis d'avance. Vous voyez déjà, je vous ai dit. Hein. Bon, l'hélicoptère, il se ramène quand ? Et là, regardez bien, l'hélicoptère il commence à venir vers moi. Nickel, il est déjà là. Parfait, c'est bon. On a évacué, comment s'appelle, le gamin. Et maintenant, je vais continuer mon objectif suivant. Bon, là, je peux monter aussi, hein. Dans l'hélico et partir et la mission est terminée. Vous avez vu, hein, c'est assez impressionnant quand même comment le jeu peut se terminer rapidement. Mais en tout cas, je vais continuer pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs à récupérer. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils font là, les gardes là. À première vue, ils reviennent vers moi. Hein. Donc le type 69, il fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Le fusil d'assaut, il est assez précis celui-là. Mais c'est pas évident quand même de savoir où tu passes. C'est dommage qu'ils m'ont pas mis par exemple le carré jaune un petit peu partout. C'est-à-dire tu sais exactement où tu passes, quel est un petit peu l'objectif, par quel endroit. Là de toute façon c'est pas le jeu qui crie, c'est la cassette là qui est terminée enfin. Donc c'est bon, je commence à recourir un peu partout. Donc je vais examiner qu'est-ce que j'ai peut-être oublié. Là, espérons que je vais pas déclencher quelque chose de ouf là. Ah, une petite nouveauté, on va piloter ça. Et là, peut-être que tu défonces un passage ou une barrière pour pouvoir t'enfuir loin de là. Mais c'est un truc de fou quand même. Moi, ça me fait assez marrer, ce genre de conneries.
Bon, niveau conduite, ça c'est chaud, hein. Je veux pas vous mentir, ça se pilote pas comme on croit. C'est toujours facile de regarder, mais croyez-moi, dès que vous avez le joystick dedans. Et moi j'ai toujours l'habitude de faire quelque chose qu'il faut jamais faire, c'est écraser tous les mecs. C'est le mec qui... Pas de pitié. Donc ici... Mais regardez comment il est mort rapidement mon véhicule. En plus j'ai un tonneau à côté, donc je me casse tout de suite de là avant que ça pète. Parce que je sais que ça va faire des dégâts collatéraux avec le petit baril d'explosif juste à côté. Ah, je suis quand même méfiant, hein. Je m'approche pas trop toujours de zone, hein. Donc qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Écouter les cassettes. C'est bon, je les ai écoutées. Ils... Oh lolo, là c'est mort. J'écoute pas du tout les cassettes, hein. Regardez tout ce qu'il y a, c'est des ouf. J'ai que ça à faire d'écouter toutes les conversations de monsieur tout le monde. Et je me crois pour la NSA maintenant. Snake, t'as pété un plomb. Je n'écouterai pas tout ça. Mais c'est fou quand même, hein. Imagine, tu dois écouter toutes les cassettes pour pouvoir passer à l'objectif suivant. Regardez le temps que ça met pour passer à l'autre cassette. Je te dis, mais c'est pas vrai. Comment ils ont osé faire ça? On n'a pas 25 encore? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais essayer de voir la carte, voilà. Où est-ce que je dois passer? Donc ici, c'est une zone assez dangereuse au niveau des ennemis. Bon bah tant pis, hein. C'est la seule zone que j'ai pas encore nettoyée correctement. Enfin, on court, on se fait plaisir. Un petit marathon s'impose. Comme quoi, je vous dis, ce genre de jeu, c'est assez, assez dur à prendre en main dans un premier temps. Une petite caméra ici de surveillance que je vais essayer de dégommer. Donc s'il y a une caméra, c'est que j'ai oublié quelque chose, à mon avis. Bon, ça n'explose pas. La porte ici, elle est condamnée. Oh non, j'ai pas de chance. Donc je passe ici, je suis déjà passé par là. Donc je vais voir s'il n'y a pas un panneau électrique activé ou je sais pas trop quoi. Ici, il y a quoi? Donc il n'y a rien. Il y a un petit carré blanc, mais à mon avis, c'est autre chose, ça. Ici, il y a quoi? Un disjoncteur, on peut même pas l'appuyer. Eh bah tiens, un prisonnier. Comme quoi qu'il y a des surprises, hein. Donc voilà, on a récupéré l'individu. Donc tout simplement, on va essayer de s'enfuir d'ici. Bon, tu viens ou pas? Donc je galère un peu sur le bouton B. Donc ça peut arriver de temps en temps de galérer. Hein. Vous allez me dire, mais je suis encore un fou. Donc là, de toute façon, je vais extraire l'otage. Donc là, c'est un petit peu plus facile, parce que là, il m'a dit vraiment d'amener l'otage dans la zone, bah, de toute façon... Je préfère... Non, ici c'est dangereux, ici je trouve. Zone d'atterrissage. Je préfère prendre la même qu'on a extrait le gamin. Je suis sûr que celle-là au moins elle est sécurisée. Que si je prends comme un... si je commence à prendre d'autres zones d'atterrissage, peut-être que je peux me faire dégommer l'hélicoptère et tu recommences toute la mission. On sait jamais avec ce genre de jeu. Je suis assez méfiant parce que ça me dérangerait par contre de nous avoir présenté le premier épisode et de le recommencer à nouveau. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas, mais imaginez. Ce serait chiant quand même. Et là, je sais pas, il y a quoi là qui m'a détecté. J'ai pas compris. J'ai pas forcément compris ce qui m'avait détecté. J'ai pas de pitié. Hein. Moi, dès que je m'extrais vraiment. Hein. Donc, la fameuse porte. Mais il y a par contre des gardes hein, qui. Il y en a plus en plus. Hein. Il y en a combien? Mais à chaque fois, ils apparaissent. Pourtant, je les ai tous abattus. Et pourquoi vous êtes toujours là? Ah, écoutez l'alarme qui sonne. Ça sent pas bon. Oh, il m'a mis un obus en pleine tête. Je suis à peine sorti, j'ai fait coucou, il m'a tué.
Coucou. Bon bah c'est la première fois que je meurs. Coucou. Un obus de la tête. Quand quoi que faut pas trop courir non plus, hein. J'ai tendance à un peu trop à cavaler, je crois. Mais en tout cas, je me souviendrai de ce coucou. Donc je vais reprendre l'otage. Voilà. On va tout simplement reprendre la fuite plus intelligemment cette fois-ci, vous allez voir. Mais c'était un truc de fou le véhicule, hein. Il a pas voulu voir ma tête. Ah, là il y a un garde, donc je vais aller prudemment. Donc après vous avez la possibilité de faire de l'infiltration, hein. Donc après c'est pas forcément un problème. Vous pouvez prendre les mecs, les égorger, etc. Mais en tout cas ça vous le verrez pas forcément dans mon let's play, parce que tout est pour un. Il y avait deux gardes, normalement il y a un deuxième quelque part. Ah ben voilà, il est juste devant la porte. T'inquiète pas, tu vas y passer. Oh lolo, les balles elles ricochent vraiment partout avec moi. Et encore deux gardes, non, tu te fous de moi. Ah non, un seul, c'est bon. Je recharge correctement mon arme et maintenant je fais attention de ne pas me faire dégommer par le fameux tank. Ah bah déjà il est déjà pas sur la zone. Je pense que c'était un bug tout à l'heure. Hein. Vous avez vu comment il s'est stationné? Peut-être que c'est moi qui ai alerté avec mes coups de feu. Donc le seul moyen de dégommer un tank c'est quoi? C'est de prendre un bazooka. Plutôt un lanceur. On va appeler ça comme ça parce qu'on aime dire ah non mais c'est pas un bazooka, c'est pas un RPG, c'est un lanceur. Effectivement, c'est le cas. On va recharger tout ça. Donc, je sais pas combien de balles il lui faut pour le neutraliser. Et je préfère rester prudent que de m'exposer. Parce que s'il m'en met un obus en pleine dans la gueule, je crois que je suis fini. Hein. Donc là, troisième impact. Oh, il est pas mort encore. Tu te fous de moi. Ah, si, il est mort. Coup de bol. Ça va, j'ai eu de la chance quand même. Hein. C'est parfait, allez viens. Peut-être qu'il y a des gardes qui vont se présenter un petit peu à gauche à droite. Mieux vaut courir en ligne droite. Là franchement je cherche plus midi à 14h. Je m'extrais avec l'hélico. Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ça commence à être vraiment cool là je pense. Non, toi tu vas pas commencer à toucher ça. Plutôt on va prendre une petite arme, une petite mitraillette. Donc la zone de largage. Elle est tout simplement... Bon, en fait, vous inquiétez pas, je les vois, les ennemis. Ils sont tout simplement derrière moi. Mais mieux vaut pas chercher midi à 14h. Là, faut courir. Espérons que la zone, elle est libre. La zone d'atterrissage. Parce que c'est là-bas que je vais m'évacuer. Allez, cours, Snake. Snake, cours, cours. Mais t'es fort, dis-moi. Hein. Donc, l'otage, je veux le déposer. Et on va appeler l'hélicoptère. Je pense que ça va être une bonne solution. On les cassait, tu peux les garder, hein, je les écouterai jamais. Donc l'hélicoptère, non, je suis... Donc déjà, sachant qu'il y a des gardes qui arrivent sur moi. Ça va être chaud là, dans pas longtemps. Donc demande d'hélico. Là, faut que je reste vigilant, parce qu'il y aura des gardes qui vont venir sur nous, parce que j'ai vu déjà dans le radar. Donc, j'ai dégommé la lumière. Vous avez vu, vous avez pas mal de petites possibilités, mais par contre, les grandes lumières ici, oubliez tout de suite, hein, ça ne se dégomme pas. C'est des vides par balles ou je sais pas c'est quoi, mais tu ne peux pas tirer hein, dessus. Donc après, les dialogues, c'est quasiment les mêmes à chaque fois, hein, qui se répètent hein, par rapport à l'hélicoptère, par rapport aux ennemis qui t'ont repéré, etc. Où est-ce qu'il est, le petit malin? Ah, ça me fait super sourire, c'est qu'à mon avis, dans pas longtemps, je vais avoir des... Ah, tiens, l'hélicoptère, il vient d'arriver. On va essayer de prendre l'otage. Tiens, regarde, comme par hasard, ils viennent d'arriver. Hein. Mais pourtant, j'ai abattu tous les mecs de la base, mais il y a toujours des mecs qui tu trouves comme ça, tu sais pas d'où ils sortent. Heureusement, c'est pas comme dans certains jeux où t'as tout le temps des réapparitions sans arrêt. Que là, dès que t'en as abattu un certain nombre, ils viennent pas trop vers toi. Bon, je vais extraire vite l'otage. Il y a plusieurs possibilités, hein. C'est soit vous allez là, ouais, c'est parfait. Donc je vais finir le travail, après je vais prendre l'hélicoptère. Ouais, nickel. L'hélicoptère est déjà parti, vous avez vu la vitesse. Il cherche pas midi à 14h
il cherche pas le midi à 14h l'hélicoptère. Là on va prendre une autre arme. Parfait. Je vais tous les dégommer. Ah ouais, je laisse pas de témoins moi. C'est ça le problème, c'est que j'essaie de pas trop laisser de témoins au cas où ils voudraient parler devant la cour martiale de leur agence ou de leur gouvernement. C'est qui vous a escroqué, monsieur Snake? Non, non, non. Comme ça, ils ont pas de témoins. Je laisse pas de témoins plutôt. Par contre, là, faut que je m'extraie ou je sais pas où je dois passer, mais je cours un peu partout. Ah, mais il y a beaucoup de gardes quand même, hein. Ouais. Donc là, on va essayer de ramasser quelques trucs. Ça va, niveau munitions, j'ai de quoi faire pour le moment. Je peux tenir encore un bon petit moment. Donc là, je dois faire quoi? Oh, les gardes qui est à côté de moi. Donc là, c'est fait. Je vais essayer de repartir vers là-bas. Donc ici ça sert à rien de rester parce que si vous avez le malheur de vouloir trop un peu rester sur cette zone là, bah, vous allez avoir tout le temps des réapparitions des gardes à mon avis. Chose qui va être vraiment chiante. Donc peut-être que la porte là, cette porte là elle m'a l'air trop convaincante en fait. Je pensais qu'elle allait s'ouvrir au bout d'un moment. Mais finalement en fait tout ce qu'il veut c'est que j'évacue la zone, hein. Regardez bien. Dépêche-toi, il faut filer d'ici. Dès que j'ai entendu ça je me suis dit bon bah c'est bon, hein. Ça sert à rien de rester là. Je pensais qu'il y avait quand même une suite assez différente, c'est-à-dire que t'as une porte d'hangar qui va s'ouvrir et qui va tout simplement bah, te mettre sur un chemin où tu dois vite, par exemple, prendre un véhicule et faire attention aux gardes qui te courent derrière, etc. Un petit peu comme James Bond, hein, vous voyez ce que je vais dire. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, c'est que tu repars par les airs. Donc tout simplement, il faut que j'appelle un hélicoptère. Et après, je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Hein. Mais c'est assez effrayant. Je regarde bien si j'ai pas oublié d'autres choses. Vous allez voir, la logique que j'ai, elle est assez impressionnante. Hein. Donc là, il me dit que je dois me casser. On est bien d'accord. Hein. Franchement, vous allez dire, mais vous dites, un crétin. Je pars où? Je pars de là où je suis venu. C'est logique. Je suis venu en escaladant, je pars en escaladant, non? Donc voilà. Et moi, pour ma part, dans ma tête, je pensais que c'était bon. Que à partir de là, je suis évacué, que la mission est terminée. Eh ben non. Tu t'es pris une grosse crampe dans ta gueule. Comme quoi que... Ah là 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 là. Il m'a mis un vent le jeu. J'ai dit mais comment je me suis fait rouler à ce point là. Moi tu sais quoi, je vais pas me prendre la tête. Je vais essayer de prendre l'hélicoptère. M'extraire, non pas ici. On va reprendre la même zone d'atterrissage, un peu importe. Hein. Pardonnez-moi. Donc les fameuses cassettes, limite je me... je m'étouffe là. Aïe. Ah c'est pas vrai, comment je peux m'étouffer? Non je taquine mais voilà, c'est ici que je dois aller. Mais c'est assez chiant quand même, hein. Je me suis dit mais non mais attends c'est pas vrai, faut que je reprenne un hélicoptère. Et ça coûte cher hein, un vol. Hein. Et bah ouais, c'était ça. Donc là je vais aller sur la zone de largage et vous allez voir que ça va être terminé. Donc en tout cas, je parle très rapidement parce qu'après c'est fini. Hein. Donc j'espère que ce let's play là vous a plu. Il y a les cinématiques, hein. Ne quittez pas tout de suite. Donc après ça va durer un bon petit moment, donc vous allez avoir l'histoire. Bah j'espère que ça vous a quand même fait plaisir que je vous ai présenté ce petit let's play là. Moi en tout cas ce jeu là je l'ai trouvé vraiment marrant. Donc après c'est juste comme j'expliquais le mode bourrin, je préfère un petit peu de temps en temps pimenter le jeu. Moi ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a fait aussi plaisir. Donc en tout cas si y a Snake par exemple dans l'avenir, peut-être que je serai dessus, je vous garantis rien à 100%. Comme on dit, on sait pas de demain de quoi est fait. Donc tout simplement j'espère que ça vous a fait vraiment plaisir. Et en tout cas, ce qu'il fallait faire, c'est prendre les deux otages que vous avez pu voir au début de la mission et de les emmener dans l'hélicoptère. Et la mission était terminée. Donc je trouve que c'est un peu très cher pour ce que c'est. Un jeu pour 30€ pour une petite mission qui dure 20 minutes, ça fait un peu mal au cul. En tout cas, j'espère que ça vous a fait quand même plaisir. Nous, on évacue et après, vous avez les cinématiques et je vous retrouve pour d'autres vidéos. A bientôt les amis. Nous, on s'en va maintenant.
Snake. Snake! Medic! She's rigged. Damn it, we were set up! We gotta get it out. No time for anesthetic. We have to open her now. Hold her down. Hold her down! Keep her gun in. Be proud. By the time they leave, I'll have the IAEA praising us as the poster boys for world peace. Out. Tower, this is Morpho One. Do you copy? Can't get through. The link seems fine, but...
inspection was nothing but a smoke screen. It's okay. I heard explosions, then. They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, dammit! You spying bitch! Come on, start talking, bitch! Come on, get up and start talking! Your favorite song. Nicolas Barthes. Immigrants wrongly executed. But their deaths served as a message to others. That ours is a society that murders the innocent. Do you too believe your sacrifice will change the world? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit, ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, prenez soin de vous.